Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil ? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk ? Génial ! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Les responsables de ce carnage avant qu'ils fassent d'autres victimes. Je crois que vous avez oublié de faire un constat avant de partir. Je suis désolé, ça a coupé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, mais... Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si tu n'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Par derrière.
Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Ils ont l'air si mignons en mitoufle tout seul. Je devrais le piéger d'en haut. Sois sage maintenant. Quelqu'un approche. Silence a des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi, où est-elle? Yanjing Zhen Dadian, Yo Kaila. Les dodos. C'est quoi ça? Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord.
image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche? Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à tes rituels. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Je... Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Je peux pas entrer, elle me verrait. Oh, waouh, je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. C'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet. Et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite... Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée. Bras gauche en bas, paume droite en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Hmm.
rien. Presque. Mais il manque quelque chose. J'ai déjà vu ça. Ça ne va pas. Voilà. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Oui, d'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Arrêtez! Non. Cache-toi! C'est pas bien de prendre des otages, les gars! Waouh! C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Mais vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi! Enfin, j'ai affronté des spectres! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes! Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez?
Le cardio, c'est fait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire, et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement, cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. C'est moi! Je viens de voir des unités sur la 3ème! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schulz est de retour.
Shocker ? Il vient pas d'être libéré sur parole ? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de mouton, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Un kidnapping est en cours. Le signalement a eu lieu à Murray Hill. Avis à toutes les unités. Cambriolage en cours signalé. De Bowery, répondez. Tiens, on dirait qu'ils essaient d'entrer avant l'heure. C'est pourtant pas les soldes. Vous avez essayé de frapper ? Vous avez jamais vu de film d'horreur ? C'est pas une bonne idée de se séparer ! J'ai déjà entendu ça quelque part. Je peux pas te faire de mal. Ça fait une perte de temps. Wow ! C'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. Voilà. Parlons un peu. J'ai dit assez. Sortez ! Et j'ai... Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça ? Tu sais bien que la police te surveille de près ! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel ! Faut vraiment être désespéré ! Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est ? Ou me forcer à te taper dessus ! C'est toi qui vois ! J'en ai assez dit. Thank you.
faut que je me dépêche. Charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design ? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile ? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non ? Disons que je vous tolère. Oh ! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas ? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois ? Ça t'irait un service ? T'as toujours le masque de la galerie ? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre Fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee ? Pourquoi ? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool, tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Le jour se lève. Monsieur Lee ne va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Seigneur, donne-moi la force. Peter. Que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit.
j'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi, vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? Hey. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheurs? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Je vais rafistoler mes chaussures, ils tiendront encore un peu. Bon, j'ai décroché le poste. La lettre de recommandation. Mais n'est pas encore arrivée? Tu me manques. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en vie se dégourdir les pattes. Appel à toutes les unités. Attaque en cours. Les événements ont lieu dans le Lower East Side. Terminé. Tu sais, j'adore étaler des petites frappes. Monsieur Lee m'a parlé, et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Oh, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touchée de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, Tantenay. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Allô? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien?
Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? J'ai oublié à quel point j'aimais la photo. Les événements ont lieu dans le Lower East Side. Terminé. Super fenêtre. Mais j'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs étranges. Superbe. Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes ! Hey, mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais, arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker! Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne! Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée.
Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Seulement, je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être? Lui dire de parler à son père? Non, il n'écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, il y a une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Laissez un message à leur sujet avant de partir en Europe. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous... Je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Wow, pour qu'on voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et voilà!
vois bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Bon. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. La lumière sur celle-là. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp ne pourra pas dire que les stations d'arrêt ne servent à rien. S'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. Ça poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque.
ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé en écartant Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute s'ils sont. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parents? Tu vas bien? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, Norman, a coupé nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. On trouverait d'autres financements. Notre travail a trop d'importance. Merci, MJ. À la prochaine. Herman, ça faisait un bout de temps. Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups, on dirait qu'on m'en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait! À ton service! Si tu veux te battre, on va se battre! Ah, j'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science! Tu te rappelles notre premier combat? J'étais jeune et stupide! Et toi? Eh bah, ça manque de vide! Tu me bats trop! Ça, c'est ton avis personnel! C'est vrai! Là, je peux lui faire vraiment mal! Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer! Attention à toi! Si tu te rends, je peux t'aider! Tu veux vraiment m'aider? Alors laisse-moi partir avec l'argent! Ça, ça va pas être possible! C'est... Les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non! Sérieux, Herman? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je pars, tu mords. Ils ont été très clairs là-dessus. Ça va faire mal. Tu m'inquiètes un peu, Herman. Y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. C'est même pas une sorte de personne. Pas comme moi qui casse les masques. Attends, t'as bien dit masque? Ces types masqués, qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? J'en sais rien, ils m'en fichent. Je finis de tomber, je disparais. Tu devrais savoir quand laisser tomber. Viens, attrape ça avec les dents. Rends-toi maintenant et on le protégera! Tu rêves! T'as pas vu ce que j'ai vu! Espèce de sale! Ok, dernière chance de prendre! Cette fois, je veux me fâcher! Arrête de bouger! Abandonne avant de te faire vraiment mal! Mmh.
arrête de bouger. Ah, j'ai pas entendu le mot magique. Cette œuvre d'art a l'air lourde. Bon, jusque-là, j'étais gentil, mais là, je rigole plus. Dernière chance. Désolé, Herman. La sentence est tombée. Littéralement. Terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au Raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hé hey, le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref, vous avez eu d'autres signalements de démons de type... masqué? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je doute que ça vous plaise. Oh, j'aurais dû m'en douter. Mon combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. Un chef-d'œuvre. Toc a laissé un message. Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. J'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des démons. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk? Ah! Vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des gangs à prévoir? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de Fisk qui n'ont pas encore été attaqués? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Merci, Yuri. Je vais jeter un œil. Hé, hey Yuri! Ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Oh,
Et s'ils mettent un pied dans la chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu deux cette nuit. Le boss est peut-être en tôle. Mais personne touche contrôle à ses affaires! Aigle 2, tout va bien? Aigle 2 au rapport. RAS. Quel genre de planque cherchent les démons? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Beaucoup de détritus par ici. Un peu de poils lancés au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Plus ou moins. Laisse-moi me concentrer maintenant. Je dois vérifier qu'on n'a rien. Il parle encore de matos. Qu'est-ce que Fisk peut bien garder ici? Parce qu'on a dit tout seul, ça te dérangerait de m'aider. T'as l'air de bien t'en sortir. Et puis, je peux pas, je prends sa garde. J'aimerais réussir plutôt bien. Moi, c'est pas moi qui suis un malade sur des tuyaux tout rouillés. C'est quoi ce tunnel qu'ils essaient de condamner? Et où est-ce qu'il mène? Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. C'est quoi ? Y'a un Pepsi ! Et comme nous montrer ta tronche, ça ne t'est que justifié ! Naval est un vrai champ de mine. Il reste tout un tas de pièges de toutes les autres. Hey, tu veux bien te rendre utile et tenir cette clé? Désolé, je peux pas me déconcentrer. Je vais vérifier un truc. Cobra 1, réponds. Pas de nouvelles de Cobra 1. Allez voir. Je me dirige vers sa dernière position. Qui que tu sois, montre-toi!
pas vu venir, celle-là. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale ? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom ? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes ? Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes ? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spider-Man. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, où est cette porte verrouillée ? Jeff, vous êtes là ? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte ? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique ? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein ? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non ? À première vue ? Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier ? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux ? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Ça a marché ? Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. Jamais pu l'ouvrir tout seul. Je l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre ? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Jackpot ! Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super ! J'arrive. Ou pas. L'ascenseur est HS. Bougez pas, je vous fais monter. Premier étage, engrenage rouillé et gros rat dégueu. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Bravo! Belle réception et tout! On n'est pas tous des gouffres à donuts! Je vois ça! Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours!
J'en ai une. Dans le mille. Ni plus ni moins. Ça s'est ouvert? Non. Cette porte doit être reliée à une autre boîte. Hé, hey, vous voyez ça? Ça sert à rien de griller ça sans savoir à quoi c'est relié. Où que ça mène, j'aurai besoin de l'aide de Jeff pour la griller. Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de Fisk parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Si j'étais une boîte de raccordement, où je me cacherais? Suivez les conduites. Elles vous mèneront dans la bonne direction. Trouvé. Là. Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. Un, deux, trois. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte! Vite! Allez, dépêchez! C'est pas vrai! Les démons sont déjà passés! Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Où ça l'était? Là! Ils ont fait sauter les verrous pour entrer! Apparemment, ils ont pas perdu de temps. Il y a des caisses vides ici. Et ils ont apparemment emporté les autres. Chut! Des démons! Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez! Police! Stoppez les camions! Arrête! Soldier Harmon! À couvert! Hey, bien joué! Je fais seulement mon boulot. Attention! Je tire! Écartez-vous! Ah bonjour la frime! Mais c'est pas moi qui esquive les balles. Je vais le paralyser! Je suis presque impressionné. Il va tomber. Attention, je neutralise. Stop!
Ça va ? Partez ! Pour Raptor ! Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Tuer des piétons. Il faut que je me rapproche. Salut. Il reste une petite place. Terminus. Génial, la ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle, vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles, ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances ? Agent Davis, Mary Jane Watson, du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Il est temps de rentrer et de dormir un peu.
commence à être chaud, la guerre des gangs entre Fisk et les démons. Je sais. Même Shocker y participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête là. Rien de tel qu'un lance-roquette pour se réveiller. Course poursuite. Les événements ont lieu dans le Lower East Side. Terminé.